Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi. Pour moi, même programme que d'habitude, montage, tournage, etc. Juste ce soir, on a rendez-vous à l'école de Lou. Ils font une petite activité parents-enfants. Du coup, ce sera le petit programme après l'école. Lou est bien contente et je pense que ça lui fera plaisir. En tout cas, comme vous l'avez vu ce matin, je suis allée à la salle de sport. Ça m'a fait du bien. J'ai travaillé le haut du corps aujourd'hui. Avant, j'aimais pas trop ces séances, mais maintenant, j'aime bien. En vrai, je crois qu'à la salle, il y a rien que j'aime pas faire. Tant mieux. Hier, je vous ai posté le vlog avec ma routine maquillage. Donc si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Elle sera en description. Et là, on va ouvrir. J'ai commandé deux petits trucs sur H&M Home parce que j'avais encore un petit peu de sous sur une carte cadeau. Du coup, j'en ai profité pour commander. On va ouvrir ça ensemble. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'essaie de trouver des petits éléments qui pourraient aller dans le nouveau petit meuble là. J'ai commandé des trucs, on verra bien si ça rend bien. Bon, en vrai, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est deux trucs très simples. Par contre, la taille du carton m'étonne un petit peu, donc j'espère que j'ai pas pris des trucs dans des dimensions bizarres. Déjà, j'ai pris ce livre pour le mettre en décoration. C'est avec des inspi déco, de maisons un peu scandinaves, de la déco et tout. Et je trouve ça sympa. Je le regarderai et en plus, il est joli. Toujours Pumba qui fait autant de bruit. Il est vraiment sympa. Il est blanc cassé, un peu couleur olive et il a une texture un peu rugueuse. Franchement, il est sympa. Bon bah, je suis contente de mon achat. Franchement, j'aime bien les trucs de déco comme ça et tout. Donc cool, c'est en anglais. Et là, ce sont des choses très très simples. Ce sont juste des petites boîtes de rangement, vous savez, en carton blanche. Là, par contre, je pensais qu'elles étaient blanches blanches, mais elles sont un peu blanc cassé. Bon, ça me dérange pas, ça va suivre avec le reste quand même. Comme ça, ça me permettra de cacher des petits trucs dedans, des câbles, des petites bêtises. Hop, et j'en ai pris une deuxième. Je vais m'occuper de ça après. Il n'y a pas d'achat plus simple que ça. Ça va pas rester comme ça. La boîte en bas, j'aime pas. Enfin, le fait que ce soit le livre seul et la boîte en bas, ça fait trop truc centré comme ça. Mais pour l'instant, je trouve ça déjà mieux. Je voulais voir pour ouvrir le livre, mais il tient pas. Vous savez, genre le laisser ouvert. Mais je sais pas. Je ne sais pas. Je préfère fermer. Juste la boîte, je la mettrai ailleurs. De toute façon, ça c'est vraiment pour m'en servir que je l'ai prise. Mais pour l'instant, je vais la laisser là, ça comble un peu. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans le dernier vlog? Que Romain voulait faire des trucs dans les chambres des filles et tout. Déplacer les lits, etc. C'est fait. Je vais vous montrer ça juste après. Du coup, là, elles sont toutes les deux dans la même chambre et elles ont une grande salle de jeu. C'est vraiment pas définitif. C'est pour genre une semaine, un truc comme ça. En gros, jusqu'à ce qu'elles en aient marre. Mais ouais, on s'est occupé de ça ce week-end. J'ai pas du tout vlogué parce qu'en fait, c'était samedi matin. Romain, comme je vous l'ai dit, il avait l'idée dans sa tête. Du coup, il s'est réveillé, il s'ennuyait. Les filles aussi, ils se sont mis à tout déplacer et tout. Donc j'ai clairement pas eu le temps de sortir ma caméra et franchement on était tous les quatre et ça nous a fait du bien. On en a profité pour faire tout le tri de leurs jouets. On a mis des trucs à donner, des trucs qu'on a mis chez les parents de Romain. Bref, on a fait un gros gros tri. Je vous avais d'ailleurs mis une story sur Instagram. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé si j'avais vlogué, mais franchement j'ai pas pu. Quand on était lancés, je me suis pas arrêtée pour aller commencer à parler, expliquer, déplacer la caméra toutes les 30 secondes et tout. Donc bon, pas grave, vous verrez quand même le après. Mais ça fait du bien à tout le monde. Et là, elles ont une chambre toute propre, toute belle, sans millions de trucs qui traînent partout. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on mange genre fast-food, McDo, etc., il y a toujours les petits jouets. Ça, elles gardent. Ça reste dans des coins, etc., les tout petits trucs comme ça. On a tout viré. Les filles, pareil, en fait, sur les emballages de jouets, sur tout, elles découpent. Par exemple, quand il y a des personnages, elles gardent. Un enfer. J'ai tout viré. Lou, elle est moins comme ça, mais Jade, c'est vraiment une collectionneuse. Bon, bien sûr, on a rien jeter sans leur demander, on leur expliquait, on leur demandait, etc. Donc là, elles étaient vraiment très coopératives. Enfin, Jade a été très coopérative, mais ouais, ça fait du bien. C'est le mot du truc, c'est ça fait du bien. On va monter, je vais vous montrer ça. Par contre, je suis dégoûtée parce que je commence à perdre ma bonne routine au niveau des cheveux, parce que je dois les laver beaucoup plus souvent avec le sport, ou bien les attacher beaucoup plus souvent. Il faut que je m'habitue à faire ça, parce que sinon, je les ai tout le temps lâchés. Mais en fait, ils graissent hyper vite. Genre là, je les ai lavés il y a deux jours, normalement, ils sont encore nickel. Là, ils commencent déjà à graisser.
si vous allez souvent à la salle, dites-moi si vous avez des astuces pour maintenir ça. Parce que j'ai pas envie de les laver plus de 2 fois par semaine. Alors, je vais vous montrer. Du coup, là, on a la chambre des filles. Et là-bas, leur salle de jeu. Avec un joli mot, toquer avant d'entrer. Ah non, toquer avant d'ouvrir. Bon, je vais d'abord vous montrer leur chambre. Hop. Du coup, on a mis leurs 2 lits ici, côte à côte. Enfin, en ayant un passage au milieu quand même. Comme ça, elles dorment à deux. Elles sont bien dans leur grand lit. Avec une petite table au milieu. Comme ça, elles peuvent lire leurs petites histoires le soir. Enfin, du coup, c'est Jade qui a lu un livre à Lou hier soir. C'était mignon. Donc voilà, leurs 2 lits avec le petit tapis au milieu. C'est vraiment provisoire. Hein. C'est juste pour leur faire plaisir. Donc là, il n'y a rien d'autre. On a vraiment fait cette chambre pour dormir. De l'autre côté, il y a juste le sac de linge sale. Bon, il est vide. Il y a juste les peignoirs posés dessus. Mais vraiment, il n'y a que ça dans la chambre. Et ici, il y a leur salle de jeu. Là, on a mis leur commode avec les vêtements. Et après, on a mis tous leurs jouets. En fait, on a vraiment gardé que ce qu'elles utilisaient, que ce qui les intéressait encore. Parce que on renouvelle souvent leurs jouets, leurs livres. Mais on fait vite des roulements, en fait. Donc voilà. Là, c'est en gros tout ce qui leur reste. Ça me permet pas beaucoup, mais en même temps, c'est largement suffisant pour elles, vu qu'elles sont tout le temps en bas avec nous, ou dehors. Voilà. Ça vient, je crois, de chez Lidl, il y a longtemps. Ça vient de chez Amazon, je vous remettrai le lien en description. Elle est très grande, elle m'arrive au niveau des épaules. Tous les chevaux, les trucs Barbie, les livres, les trucs Playmobil, les Barbie. Et là-bas, on a fait un petit bureau, du coup, avec mon ancien bureau et mon ancienne coiffeuse. Dedans, j'ai mis quelques feuilles, les activités, les livres, cahiers de vacances, etc. Enfin bref, tout ce sur quoi elles peuvent écrire et tout, c'est dedans. Donc voilà, comme ça elles ont de l'espace pour faire toutes leurs histoires, tout ce qu'elles veulent au sol, quand elles veulent, et après elles peuvent bien ranger. C'est surtout ça. Il est 13h mais ça passe. Je viens tout juste de sortir de la douche comme vous pouvez le constater. Là le programme c'est de faire mes cheveux et d'aller filmer. Aujourd'hui il y a du soleil donc je vais en profiter au max. Oh, je pensais que j'avais allumé. Hier soir je vous ai pas repris mais du coup on est bien allé à l'atelier dans l'école de Lou. C'était sympa, elle était contente. Bon du coup j'ai de l'encre sur les doigts. Bon, j'ai réussi à peu près à l'enlever. Mais imaginez un peu l'état des mains de Lou si moi j'en ai. Elles sont bleues. Donc ça, c'était jusqu'à 5h et jusqu'à 18h45, je crois. On est allé au parc. Il y avait des copines à elles et leurs parents. Du coup, elles nous ont bien arnaquées. Et on est resté un bon petit moment au parc. Mais bon, ça leur a fait du bien. Puis nous, en attendant, on a discuté. Bon, j'ai essayé de les faire bien, mais rapidement. En général, j'ai la poisse. En fait, je priorise mal le truc à chaque fois. Par exemple, là, le matin, toute la matinée, il y a eu du soleil. J'aurais très bien pu commencer par la création de contenu directement, mais j'ai préféré travailler sur l'ordinateur. Là, je suis sûre que je vais commencer, il n'y aura plus de soleil. Je fais tout le temps ça. En fait, je préfère faire le travail devant l'ordi le matin et filmer l'après-midi. Le temps que mon cerveau se réveille bien. Ce matin, j'étais à la salle. Je vous ai montré un tout petit peu, je crois. Si ça vous intéresse, ça, c'est la brosse de chez GHD. Je crois que c'est la GHD Rise.
prise. Vous pouvez faire des boucles, lisser et faire un effet brushing aussi. C'est ce que j'essaie de faire. Youp. Cet après-midi, je vais essayer de filmer un on s'habille ensemble déjà et quelques petites vidéos pour Insta. En fait, j'aimerais bien faire une série, même pour TikTok, où je reproduis des tenues Pinterest. Vu que c'est là que perso je cherche mes idées quand j'ai pas d'idées, ben je vais essayer d'en reproduire quelques-unes pour Insta. Et peut-être que je les posterai aussi en short. D'ailleurs, s'il y a des tenues que vous voulez que je reproduise, n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur Insta. Je veux juste essayer de donner du mouvement à mes cheveux. Voilà. En vrai, en short, je sais pas trop si je continue et on s'habille ensemble. J'ai l'impression que vous êtes un peu. Que vous en avez un petit peu marre, que vous êtes un peu lassé. Donc dites-moi si vous voulez que je continue ou pas. Désolée, je me sers du retour écran comme miroir, parce que sinon je me vois pas. Là, ça fait des mois que j'ai fait une couleur. À la base, la dernière couleur que j'ai faite sur mes cheveux, c'était pour rattraper ma couleur d'origine. Donc j'avais fait un châtain foncé, il me semble. La couleur part petit à petit et à partir de là. Donc là, au-dessus, c'est ma vraie couleur et en dessous, c'est les colorations qui partent un peu en cacahuète. Mais en vrai, j'aime bien la couleur que ça fait. C'est moins foncé que ma couleur de base. J'aime bien. Ça, franchement, c'est rapide avec cette brosse comme coiffure. Là, ça fait 5 minutes pour faire toute ma tête. En sachant que des fois, je repasse deux fois sur la même mèche. Je vous mettrai le lien de la brosse en description. Et s'il y a des liens que vous voulez en particulier de Amazon, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que là, il va y avoir des ventes flash, enfin des réductions en gros sur Amazon. Donc là, je pense que GHD, c'est souvent en promo dessus. Donc elle sera en promo, je pense. Et s'il y a d'autres trucs que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vous dirai ce que c'est ou je vous donnerai la ref. Enfin bref, bientôt fini. Là, je m'occupe des petites mèches oubliées. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Je sais que je mets tout le temps les mêmes, mais franchement, elles vont avec tout. Et je trouve que la forme, elle est. Enfin, la taille surtout, elle est bien. C'est discret, mais en même temps, elle se voit. Là, pour mes cheveux, c'est bon. Je vais pas les brosser tout de suite parce que sinon, ça va casser toutes les boucles. Mais voilà. Après, il y aura un petit peu plus de volume. Allez, je vais filmer et je vous retrouve après. On vient de rentrer de l'école, Loulou est en train de prendre son petit goûter. Romain a ramené à tout le monde des bons cookies. Ils sont trop bons, hein, ouais? Mais même dedans, c'est un petit peu fondu, oui. Le chocolat. Et ça fait trop bon. T'as vu qu'ils te voyaient pas avec les yeux comme ça. T'as vu qu'ils te voyaient pas avec les yeux comme ça. Là, il est 16h50, du coup, je suis allée chercher la petite crapule. Romain m'a rejointe et. Oui. Et il est parti chercher Jade pour la conduire à son activité. Du coup, nous, en attendant, je me suis dit. Il est au parc pour faire du roller autour du foot. Voilà, je vais l'emmener, je vais lui mettre ses rollers. Comme ça, elle va s'entraîner à faire du roller autour de. Enfin, dans un parc qui est pas très très loin. Comme ça, elle peut s'entraîner aussi, vu que là, il fait super beau. Autant en profiter. On a regardé hier soir quand on est allé au parc si c'était plat pour qu'elle puisse le faire tranquillement sans trop risquer de se prendre des trous ou des cailloux et tout. Normalement c'est relativement lisse donc je vais la préparer, elle va aller s'entraîner un petit peu là-bas. On va prendre l'air. J'hésitais à prendre Pumba en même temps comme ça on lui fait une promenade mais avec Lou en roller je préfère pas. Donc on fera la promenade après mon chien. Après d'accord? Voilà. Bon je prépare la petite dame et on y va. Bon, il y a une petite dame qui est prête. On va aller au parc. Attention, attention, pas que c'est les cas. Ah bah oui, s'il te plaît. T'es prête? Oui. Tu viens vers moi? Ah, tu t'en souviens bien, hein? Allez, on y va avant qu'elle me casse quelque chose. Ça va? Oui, ça va. Il est 18h30, je viens de faire les devoirs avec Jadou. Donc là, elle est en train de terminer les quelques petits trucs. En fait, quand elle a des difficultés sur certains mots ou je vois qu'elle hésite, je la fais toujours recopier trois fois. Elle est bien contente. Ça te fait plaisir? Non, mais comme ça, au moins, elle retient bien l'orthographe. Petit bébé. Voilà. J'attends qu'elle ait terminé et après, j'appelle Lou. Comme ça, on fait à manger à deux. Tu veux faire à manger avec nous ou tu veux aller jouer tranquillou? Je vais faire à manger. Bon, on va faire à manger à trois, alors. Préfère. Tu préfères jouer?
Ça, c'est la boisson que je buvais tout le temps quand j'étais petite. En été. De la violette. Et de la limonade. Cocktail de fou. C'était barman, non ? Ouais, c'est une... ça c'est une... Oh. C'est une recette spéciale. Personne ne connaît. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. C'est même toi qui l'as inventé. C'est moi qui l'ai inventé. C'est toi. Pris en charge, merci. Bon, on va bientôt manger. Ce soir, du coup, on a fait des pâtes aux boulettes. Boulettes, sauce tomate, pâtes. Avec des carottes. Donc voilà, on va se poser tranquillement. On va manger. Et moi, je vais arrêter le vlog ici. Comme ça, je vous le poste demain. Ah, d'ailleurs, je vous ai même pas dit. On est allé au parc, du coup, avec Lou. Ça faisait un bon moment qu'elle n'avait pas fait de roller et franchement, elle gérait hyper bien. On dirait qu'elle s'était même pas arrêtée. Donc trop contente. On était trop fiers, on l'a regardée. Elle faisait ses tours tranquillement. Tout le monde l'a regardée en plus parce qu'elle est toute petite, Loulou. Donc ça fait un peu bizarre qu'elle gère aussi bien. Mais trop bien. Elle était contente. Voilà, on va manger. Je vous laisse. Gros bisous et à très bientôt.